C'est la preuve d'une vitalité du milieu rural. À Saint-Lupien, à l'ouest du département, un pôle petite enfance est né il y a 4 mois et son baptême, son inauguration, a eu lieu vendredi soir devant le président de la région, le maire de Troyes, ministre de l'économie, François Baroin, et de nombreux autres représentants politiques du canton. Cet établissement d'accueil pour les 0-3 ans était en gestation depuis 5 ans. Sa naissance permet désormais aux parents du secteur de faire garder leurs enfants en toute sérénité, sans trop faire de kilomètres. Reportage et présentation avec Annabelle Millet. C'est un projet qui a été porté par la communauté de communes de l'Orvin et de l'Ardusson. Un espace dédié au multi-accueil des bambins de ce territoire. Et depuis le 26 septembre 2011, ce sont 38 petits de 3 mois à 4 ans qui viennent fréquenter l'équipement flambant neuf. Et il y avait un besoin sur l'ensemble de la communauté de communes. On a de plus en plus de jeunes parents et donc de jeunes enfants, puisqu'on est dans un secteur où la population augmente régulièrement. Et il n'y avait pas assez d'assistantes maternelles pour accueillir tous les enfants. Donc on a décidé de faire ce bâtiment pour ces raisons. Et après 4 mois d'existence, l'espace multi-accueil est déjà presque complet et satisfait bien des parents. Formidable. Vraiment très formidable, c'est très accueillant, c'est... Très satisfaisant. Eh ben, très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Tout se passe très bien que vis-à-vis de toutes celles qui sont là, qui s'en occupent. C'est une association qui a été choisie pour faire fonctionner ce nouveau pôle petite enfance. Nous avons, avec les médecins de la PMI, réfléchi à l'aménagement de l'espace et au projet d'accueil pour les enfants et les familles. Nous appliquons les barèmes de la caisse d'allocation familiale, comme dans toute crèche municipale. Nous avons recruté une équipe et donc nous gérons au quotidien l'accueil des enfants et de leurs familles. Cela veut dire effectivement la formation du personnel, le management, les fournisseurs, etc. Enfin, c'est assez varié. Deux auxiliaires de puériculture à temps plein, deux CAP petite enfance, un agent de service et la directrice gèrent au quotidien les 16 petits. Toute l'équipe habite la communauté de communes, donc c'est vraiment 6 emplois créés grâce à cette structure. On est très très satisfaite, à la fois très surpris parce qu'on se rend compte que c'était vraiment un réel besoin des familles. Les familles sont vraiment contentes de pouvoir trouver ce mode de garde, à la fois pour les parents qui travaillent tous les deux et puis également pour les familles dont les parents ne travaillent pas ou en tout cas ont besoin de temps ou à la fois pour chercher du travail, pour pouvoir avoir un petit peu de temps libre. Et puis les enfants bénéficient également d'une structure agréable avec un encadrement adapté et des jeux adaptés et ils passent des journées assez agréables. 850 000 euros, c'est ce qu'a coûté le pôle Petite Enfance de Saint-Lupien, un bâtiment basse consommation de 300 mètres carrés, dont la moitié est utilisée à 100% aujourd'hui. Le taux de natalité peut donc augmenter dans les communes de l'Orvin et de l'Ardusson. Les futurs enfants ont déjà une place de choix dans le tout nouveau pôle Petite Enfance.